J'aimerais énormément que tu fasses des progrès en français. Mais je pense qu'à force de regarder les vidéos du French Club, tu fais des progrès en français. Pourquoi dit-on ⁇ je pense que tu fais des progrès avec le mode indicatif ⁇ mais j'aimerais énormément que tu fasses des progrès avec le mode subjonctif ⁇ Salut, je m'appelle Jordi. Je suis professeur de français et créateur de Le French Club, le club de français 100% en ligne. Et aujourd'hui, je vais te montrer quand et comment on utilise le mode indicatif et quand et comment on utilise le mode subjonctif. Alors attention, cette vidéo est faite pour les personnes qui souhaitent avoir un niveau avancé en français. Si tu ne souhaites pas avoir un niveau avancé en français, cette vidéo n'est pas faite pour toi et il est préférable que tu ne la regardes pas. En revanche, si tu veux avoir un niveau avancé en français, alors cette vidéo est faite pour toi et je t'invite à t'abonner à la chaîne Le French Club parce que chaque semaine, je vais mettre du contenu pour toi qui souhaite progresser. Et par ailleurs, pense à activer la petite cloche et à me mettre un énorme like. Alors, puisque tu as décidé de rester, j'ai un petit cadeau pour toi. À la fin de cette vidéo, je vais faire un petit quiz sur cette leçon, indicatif ou subjonctif, parce que c'est vrai que ce n'est pas très facile et ça va te permettre tout simplement de vérifier de façon amusante si tu as bien compris cette leçon. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas te montrer comment on conjugue un verbe au subjonctif, parce que ça, je considère que tu sais déjà le faire. Si ce n'est pas le cas, si tu n'es pas trop sûr, sache que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, comment conjuguer un verbe au subjonctif. C'était d'ailleurs l'une des premières vidéos du French Club. Je t'invite à la regarder si tu n'es pas trop sûr de toi. Alors, petit rappel avant de commencer avec cet exemple. J'aimerais atteindre le niveau avancé en français. Dans cette phrase, j'ai deux verbes, mais je n'ai qu'un seul sujet, je. Dans un tel cas, le verbe atteindre complète le verbe aimer et on le laisse à l'infinitif. Un sujet, deux verbes. Le deuxième verbe est un infinitif. C'est une structure que tu connais déjà depuis très longtemps. En revanche, si je prends les deux phrases suivantes, je pense que tu fais des progrès en français et j'aimerais que tu fasses des progrès en français. Dans ces phrases nous avons deux verbes qui apparaissent en rouge, mais aussi deux sujets qui apparaissent en bleu. Dans la première phrase, nous avons la structure je pense que plus un verbe à l'indicatif, au présent de l'indicatif. Et dans la deuxième phrase, nous avons j'aimerais que plus le verbe faire au subjonctif, que tu fasses. Avant de continuer, peut-être faut-il que je t'explique ce qu'est L'indicatif est ce qu'est le subjonctif. L'indicatif, ce n'est pas un temps, c'est un mode. C'est l'un des quatre modes personnels de la langue française. Et l'indicatif sert à donner une indication sur une réalité passée, présente ou future. Inversement, le subjonctif est un mode qui indique qu'une action est subjective. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous désirons, c'est ce que nous souhaitons. Mais nous ne savons pas si cette action se réalisera ou ne se réalisera pas. Alors reprenons maintenant nos deux exemples. Je pense que tu fais des progrès en français. J'aimerais que tu fasses des progrès en français. Pourquoi dans la phrase du haut j'ai utilisé l'indicatif et pourquoi dans la phrase du bas j'ai utilisé le subjonctif Tout simplement parce que je pense que est une structure qui est suivie du mode indicatif. Et j'aimerais que est une structure qui est suivie du mode subjonctif. Ainsi, nous avons certaines structures qui sont suivies du mode indicatif et d'autres structures qui sont suivies du mode subjonctif. Alors, je vais te présenter ce tableau. Dans les expressions qui sont suivies généralement de l'indicatif, nous avons je pense que, mais également je crois que, je trouve que, qui sont plus ou moins des synonymes. Nous avons également je dis que. Et tous les synonymes du verbe dire, j'affirme que, je prétends que, je déclare que, sont également suivis d'un verbe à l'indicatif J'imagine que, je suppose que. Alors tu remarques que j'ai mis un petit astérisque parce qu'il y a des contre-exceptions et nous verrons ça dans une autre leçon. Et l'expression j'espère que est généralement suivie de l'indicatif. Pour les expressions qui sont suivies du mode subjonctif maintenant nous avons j'aimerais que, j'adorerais que. Les expressions du souhait, de la volonté, du désir. Je souhaite que, je souhaiterais que. Je veux que, ou je voudrais que. Je désire, ou je désirerais que. Sont toutes suivies du mode subjonctif. Je pourrais ajouter à ça j'apprécie que, j'apprécierais que. Je préfère, ou je préférerais que. Sont également suivies d'un subjonctif toutes les expressions de la peur. J'ai peur que, je crains que, je redoute que, le doute, je doute que, ou les exceptions du regret, de la déception, de la tristesse, je regrette que, je suis déçu, que, je suis triste, que, et inversement, les expressions du bonheur, je suis content, je suis heureux, que... Donc si tu es observateur, tu remarques que dans la colonne de droite, qui est en bleu, le bleu qui, dans notre culture occidentale, est synonyme d'intelligence, de réflexion. Nous avons les expressions de la tête, du cerveau, de l'analyse. Et inversement, dans la colonne de gauche, qui est en rouge, rouge, la couleur des émotions, des sentiments, nous avons les expressions du cœur. Parce que le subjonctif, en français, c'est le mode du cœur, des émotions, des sentiments. Prenons un autre exemple. Si je dis je pense que Marina viendra à notre fête, nous avons je pense que, viendra, donc c'est le futur simple, donc le mode indicatif. Pourquoi Parce que c'est une analyse basée sur des observations. Marina nous a posé des questions sur cette fête. Elle nous a demandé à quelle heure nous la faisons. Donc je pense qu'elle viendra à notre fête. En revanche, si je dis je doute que Marina vienne à notre fête, je doute que, plus subjonctif, Ici, ce n'est pas une analyse. C'est ce que je veux, c'est ce que je désire, c'est ce que je souhaite, mais je ne sais pas si elle viendra ou elle ne viendra pas. C'est purement sentimental, c'est purement affectif. C'est pourquoi j'ai utilisé ici le mode subjonctif. Est-ce que c'est clair Oui Allez, continuons. Alors, dans ces expressions de la tête, de l'analyse, il y a souvent une expression qui pose problème. C'est celle qui concerne le verbe espérer. En effet, Très souvent, les élèves de français me font remarquer que le verbe espérer, c'est bien une émotion, une expression du cœur. Il s'agirait là encore d'une exception de la langue française. Et d'ailleurs, ces élèves n'ont pas tort. Dans les autres langues latines, en roumain, en italien, en catalan, en portugais, en espagnol, le verbe espérer est toujours suivi du mode subjonctif. Alors pourquoi le verbe espérer en français est suivi du mode indicatif comme d'habitude, les Français veulent faire différemment, juste pour se rendre intéressant. C'est une explication. Mais tu t'imagines bien que j'ai une autre explication. En fait, comme très souvent en français, tout est une question de sens, de définition. Intéressons-nous à la définition du verbe espérer tel qu'il nous est donné par l'Académie française. Espérer. Verbe transitif du latin sperare, attendre avec confiance un bien que l'on désire. Attendre avec confiance un bien que l'on désire. Attendre avec confiance, c'est un synonyme de croire finalement. C'est bien quelque chose de rationnel, quelque chose que l'on fait avec la tête. Le bien que l'on désire, il n'y a pas de doute, c'est le verbe désirer, donc c'est une expression du cœur. Quand je dis j'espère que tu obtiendras ton diplôme en français, cela veut dire deux choses finalement. Cela veut dire je désire que tu obtiennes ton diplôme, donc c'est un désir, c'est le cœur, mais cela veut aussi dire je crois que tu obtiendras ton diplôme. Et là c'est quelque chose de rationnel. Donc oui, avec le verbe espérer, il y a l'idée de désir, de volonté, c'est vrai, mais il y a aussi et surtout les idées de croyance, de certitude, de conviction. Et c'est la raison pour laquelle en français, le verbe espérer est suivi du mode indicatif. Alors souvent, ce que font les élèves de français, ils vont chercher dans les livres de grammaire ou sur Internet des listes, des listes de verbes suivis de l'indicatif et des listes de verbes suivis du subjonctif. C'est vraiment très bien, et je ne te dis pas qu'il ne faut pas le faire, c'est très pratique. Cependant, attention, parce que certains élèves ont tendance à faire oh, c'est tel verbe, il est dans telle liste. Indicatif. Oh, c'est tel autre verbe qui est dans telle autre liste, subjonctif. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, d'accord En fait, ce n'est pas le verbe lui-même qui est important, c'est plutôt l'expression du verbe, le sens du verbe dans la phrase. C'est ça qui est important. Et je vais prendre deux exemples pour que tu comprennes. Mon amie Camille est malade. Au bout de quelques jours, je peux dire, je pense que Camille va mieux. Je pense que plus... L'indicatif, d'accord Ici, c'est le verbe aller qui est conjugué au présent de l'indicatif. Mais si je mets le verbe penser à la forme négative, je vais changer le sens du verbe. Je ne pense pas que Camille aille mieux. J'ai un doute sur son état de santé. Donc, je pense que est suivi de l'indicatif, mais je ne pense pas que est suivi du mode subjonctif. Autres exemples, je crois que Mila voudra venir avec nous. Ici, voudra. C'est du futur simple, donc l'indicatif. Mais je ne crois pas que Mila veuille venir avec nous. J'ai un doute, donc le verbe vouloir est au subjonctif. Donc je pense que, je crois que, indicatif, mais je ne pense pas que, je ne crois pas que, subjonctif. Et c'est la même chose lorsque le verbe est à la forme interrogative. Croyez-vous que Mila veuille venir avec nous Si je pose la question, c'est que je ne suis pas sûr. Et si je ne suis pas sûr c'est que j'ai un doute. Si j'ai un doute, je vais utiliser le subjonctif. Ça, c'est vrai pour tous les verbes d'opinion, comme penser, croire, trouver. Lorsqu'ils sont à la forme affirmative, ils sont suivis de l'indicatif. Mais généralement, lorsqu'ils sont à la forme négative ou euh, interrogative, et notamment lorsqu'il y a une inversion du verbe et du sujet, comme pensez-vous, croyez-vous, eh bien, ils sont généralement suivis du mode subjonctif. Et c'est exactement la même chose avec les expressions de la certitude. D'accord Je suis certain que vous aimerez ce cadeau, mais je ne suis pas certain que vous aimiez ce cadeau. Je suis sûr qu'il saura lui parler. Je ne suis pas sûr qu'il sache lui parler. Donc tu vois que ce n'est pas le verbe qui compte, c'est plutôt... Sa valeur, son expression, c'est ça qui est important. Donc je sais que je t'ai promis un quiz, mais avant de commencer le quiz, je veux te dire une chose importante. C'est que cette leçon sur les modes indicatifs et subjonctifs fait partie d'un cours, un cours très complet de 11 leçons, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le mode subjonctif. Ce cours se trouve sur la plateforme du Club de Français en ligne. Donc si tu veux avoir accès aux 10 autres leçons, eh bien, je t'invite à devenir membre du Club de Français en ligne. J'ai déjà fait 6 leçons sur le subjonctif, celle-ci est la septième. Il reste 4 autres leçons qui sont en construction parce que, en effet, j'alimente continuellement cette plateforme. Donc en devenant membre, tu auras accès aux 11 leçons. Je vais te mettre le descriptif. Euh, dans la description de la vidéo, tu auras accès au PDF du cours et également à toutes les activités interactives. Et en devenant membre du club de français, tu n'auras pas seulement accès à ce cours. Non, tu auras accès à tout le contenu de la plateforme, à tous les autres cours, à toutes les activités et à tous les podcasts. Voilà qui est dit. Allez, je te l'ai promis, on va faire un petit quiz pour vérifier si tu as bien compris cette leçon. Donc, il va y avoir en tout six questions. Et six phrases. Et à chaque fois, tu vas devoir choisir entre l'indicatif ou le subjonctif. Je te laisserai à chaque fois cinq secondes pour réfléchir. Première phrase. Nous pensons que tu as le talent pour réussir. Ou bien nous pensons que tu es le talent pour réussir. Cinq secondes. La bonne réponse, c'est nous pensons que tu as le talent pour réussir, c'est-à-dire le présent de l'indicatif. Pourquoi Parce que tu le sais, nous pensons et suivi de l'indicatif. Deuxième phrase Je ne pense pas qu'il faut ou qu'il faille partir tout de suite. Je te laisse 5 secondes. Je ne pense pas qu'il faille subjonctif parce que tu t'en souviens, lorsque le verbe penser est à la forme négative, on le fait suivre d'un subjonctif. Donc, phrase numéro 3 Jean affirme que vous vous trompez indicatif. Ou alors Jean affirme que vous vous trompiez subjonctif. 5 mmh. secondes. Ok, que vous vous trompez, indicatif. Pourquoi Parce que affirmer, c'est un synonyme du verbe dire. Et souviens-toi que le verbe dire et tous ses synonymes sont suivis d'un indicatif. Je trouve que les élèves ont beaucoup progressé. Ou bien, je trouve que les élèves aient beaucoup progressé. Cinq secondes. Je trouve que les élèves ont beaucoup progressé. Là aussi, le verbe trouver est suivi du mode indicatif. Phrase numéro 5. J'espère que vous comprenez ou bien j'espère que vous compreniez notre décision. 5 secondes. Le verbe espérer est suivi de l'indicatif. Donc j'espère que vous comprenez notre décision. Allez, dernière question, dernière phrase. Je souhaite que vous viendrez nous voir à Paris ou bien je souhaite que vous veniez nous voir à Paris. Cinq secondes. Et oui, cette fois-ci, il fallait bien utiliser le mode subjonctif que vous veniez nous voir à paris parce que c'est un souhait c'est un désir c'est une volonté ce n'est pas une analyse c'est quelque chose d'affectif donc c'est le subjonctif allez je te remercie d'avoir regardé cette leçon sur le mode indicatif et subjonctif si tu ne l'as pas déjà fait tu me mets un like à cette vidéo mais je suis sûr que tu l'as déjà fait je te dis euh, la semaine prochaine sur la chaîne youtube le french club même jour même heure à très bientôt